2021 sera une date, si l'on veut, que nous pourrons célébrer, puisqu'après tout, un des quartiers de notre commune doit à un Britannique. Ce que peu ignorent, enfin, ce que beaucoup ignorent plutôt, ce que peu connaissent, c'est un Anglais, le major Henry Fodel Phillips, qui est à l'origine du domaine des Bouches-du-Loup. Et cela fera 95 ans le 15 août prochain qu'a été lancé officiellement le quartier résidentiel des Bouches-du-Loup, dont le major Fodel Phillips voulait faire une sorte de Beverly Hills, un quartier, une ville même, de confort, de plaisir, de luxe, de grande qualité. Et la crise de 1929 ne lui a pas permis de faire l'équivalent, mais pourtant les caractéristiques très particulières du domaine des Bouches-du-Loup, en quelque sorte, ont survécu à ce qu'était l'esprit du major Fodel Phillips. Alors vous voyez, c'est un nom que je sors là dans ce conseil municipal et que l'on ignore le plus souvent. Donc il m'a semblé que ce ne serait pas absurde que le 15 août prochain, nous puissions rendre hommage aussi à celui qui a été un des créateurs de l'un de nos quartiers, et que cela marque un petit peu les choses. J'en profite d'ailleurs pour dire, parce que je sais qu'il y a des Villeneuvois et des non-Villeneuvois qui sont très, très attachés à l'histoire de notre commune et qui publient sur Facebook nombre de photos, documents divers, qui sont d'ailleurs plus riches que nos propres archives, que si d'aventure ils avaient des photographies du major Fodel Phillips, puisqu'après tout, il a eu une fille également qui est née en 1946. Si on était capable de rechercher quelques illustrations pour cela, eh bien, ce serait bienvenu. Je considère toujours que l'oubli est la pire des morts. Et donc, ceux à qui nous devons une partie de notre vie ne doivent pas être oubliés et jetés comme cela dans les oubliettes de l'histoire. Et le domaine des Bouches-du-Loup s'honorera de rendre hommage à celui qui en est à l'origine. Et ça éduquera aussi, ça instruira les nouveaux venus, hein, comme d'ailleurs certains anciens également. Alors, dans le domaine des Bouches-du-Loup, on le sait pour un certain nombre, mais pour le reste de la commune, on ne le sait pas trop. Voilà, c'était la page internationale du moment, hein, européenne en tout cas.